Si le couple phare formé par Rose et Antoine est en pleine crise, les tensions entre Elliot et Greg pourraient bien mener à la naissance d'une histoire d'amour entre les deux jeunes hommes dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. C'est la saison des amours dans Ici Tout Commence. Après Maxime, Clément Rémien, et Salomé, Aurélie Ponce, ou encore Vincent, Flavio Parenti, et Laetitia, Florence Coste, l'Institut Auguste Armand pourrait bientôt être le théâtre d'un rapprochement entre Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo. Pourtant, les relations entre les deux jeunes hommes n'ont jamais été au beau fixe depuis leur rencontre. Souvenez-vous, Elliot avait fait une entrée très remarquée à l'Institut Auguste Armand avec ses nattes et son maquillage, ce qui lui avait valu les moqueries répétées de Greg. Tandis qu'ils avaient jusqu'ici peu interagi, des tensions répétées vont venir envenimer leur rapport dans les prochains épisodes de la série. Dans l'épisode diffusé ce soir sur TF1, les étudiants de l'Institut Auguste Armand vont devoir présenter un plat original autour de la sole. Si la chef Armand, Elsa Launeghini, ne tarit pas d'éloges sur la préparation d'Eliott, elle reprochera à Greg de ne pas prendre assez de risques. Une réflexion qui ne sera pas du goût du fils du chef de l'Obel qui n'hésitera pas à multiplier les remarques homophobes à l'égard de son rival du jour. Bien déterminé à ne pas se laisser impressionner, Elliot ira quant à lui jusqu'à l'embrasser sur la bouche pour le provoquer. Débute alors un cercle vicieux de vengeance entre les chefs en herbe. Mais ces différentes provocations ne cacheraient-elles en réalité le début d'une romance entre eux? C'est en tout cas ce que laissent présager les prémices de cette toute nouvelle intrigue. Les dissensions vont monter crescendo entre Greg et Elliot dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence, d'autant qu'ils vont être contraints de travailler en équipe pour une semaine afin de surmonter leurs différends. Un rapprochement forcé qui pourrait malgré tout révéler des sentiments qu'ils ne parviennent pas à exprimer autrement. D'après les synopsis dévoilés par TF1, les téléspectateurs du feuilleton à succès pourraient bien voir éclore une nouvelle romance à Calvière. En effet, Greg va tout faire pour oublier un fantasme qui le perturbe mais va également cacher à Lionel une nouvelle amitié. Et tout porte à croire que le dénominateur commun n'est autre qu'Eliott. Greg se poserait-il des questions sur sa sexualité ou aurait-il dissimulé son homosexualité depuis le début? Ce qui est certain, c'est qu'Eliott pourrait jouer un rôle déterminant dans la vie du jeune homme dans les jours à venir. Contacté par nos soins, la chaîne nous a ainsi confirmé que Greg va se poser des questions sur sa sexualité et ses rapports avec Elliot. Alors qu'il est en couple avec Charlène, Paula Petrenko, depuis plusieurs semaines déjà, quel choix fera Greg? De son côté, Elliot parviendra-t-il à dépasser le harcèlement dont il a été victime de la part Greg pour voir le jeune homme sous un nouveau jour? Pour le savoir, il faudra encore s'armer de patience. The man I love just has